Fairtex en champion bleu. Dylan Salvador en argent et blanc. Je pense qu'il va, il va continuer à rattraper. Voilà la cuisse droite de Théo. Dylan Salvador. C'est ce qu'il lui a demandé pour passer son assassin. C'est pas attention, passe de rentrer derrière. Oh, on est reparti dans une exploitation très sérieuse. Attention, ce crochet. On ne touche pas la bagarre. D'un côté comme de l'autre, on boxe sur les coups. Mais c'est incroyable, hein, cette génération est complètement décomplexée par son Thaïlandais. Regardez Dylan Salvador, c'est fou quoi. Quatrième reprise. La quatrième et avant-dernière reprise entre Kéor Le Taï.
short bleu. Et l'incroyable Dylan Salvador, certainement une des révélations 2013. Révélation de cette saison. Et attention, comme on dit, de ne pas pêcher par excès. Rester prudent, très prudent. Il a l'air de haute hein, quand le crochet arrive, surtout le crochet du gauche, qui, rappelez-vous, dans la première reprise, avait failli faire du dégât. Donc on reste vraiment, vraiment prudent. On a bien enregistré ça, Dylan Salvador. Là maintenant, on est face à la science, à l'expertise thaïlandaise. Vous avez vu comment il a réussi à poser ses coups là, dès l'entame de cette reprise. Keo, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il essaie maintenant de bloquer toute initiative du français. Voilà, il s'est rendu compte quand même que l'adversaire était vaillant, dangereux. Donc c'est ça, il doit changer maintenant de stratégie. Et après ça, c'est un peu de retourner. Il faut qu'il accélère. Une patte de vitesse, Keo. La vitesse et l'équité du français, ça c'est certain. Il est extrêmement rapide. Et il a surtout plusieurs détails. Keo. C'est magnifique, là, c'est carrément magnifique. Il n'en revient pas, le Thaïlandais. Ah, non. On a vu dans son regard la surprise. Et c'est lui qui est obligé de rompre. C'est la révélation de cette soirée, c'est la révélation de la nouvelle génération de Salvador. Alors attention, hein, ça ne pousse pas comme des champignons à saint fond. Hein. C'est un travail de fait, justement, un hein, de fond que fait la Serca. Salvador. Et puis il y a ce transfert de connaissances avec les plus anciens comme Johan, Fabio, Abdel. Abdallah, Babel, Mickaël Bicitello, les frères Benoué. Les frères Benoué, voilà, et qui bénéficient énormément à toute nouvelle. Il y a tous les jeunes derrière, vous avez donc Dylan Salvador, Arine Kassem, Chris Boussouchou, Zach aussi. Ils sont tous les frères Benoué qui sont très jeunes. Allez, l'épreuve physique. L'épreuve physique de ce quatrième round, alors il reste 20 secondes. Et qu'on peut penser que Dylan Salvador remporte cette reprise. Bon, c'est bien, je crois. Hein, voilà, Salvador, mais attention à la réaction d'orgueil de Keo.
tout de suite. Il y a du métier d'Ilan Salvador, incroyable. C'est ça qui justement, c'est vrai, vous dites. Justement, il est déjà une expertise. Il est fatigué. Il est fatigué, Kéo, c'est certain. Mais. On va prendre le risque de voir ça. Ce serait tellement de mal. Alors, ouais. Ce serait tellement de mal. Au coup de retourner, il faut quand même calculer après la distance. Oui, il faut bien travailler sur ses appuis, bien placer. Allez, il reste moins de 2 minutes. C'est certainement dans le cœur chevelu. Ça saigne un petit peu. Alors c'est vrai que c'est un endroit extrêmement vascularisé. Il y a rien de petits vaisseaux là. Alors ce n'est pas grand chose. Hein. C'est pas ça qui va faire arrêter le match par le médecin de la région sur le bras. Alors qu'il reste 8 minutes et que Dylan contrôle le combat. C'est lui, hein, le batteur, c'est clair. Donc il est loin de en difficulté et donc en danger. Super, ah, ça, 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 du droit. Il va tenter le tout pour le dos. Quelle est la prévention. Ça fait 2 fois. Ah oh, ouais, il peut sourire, mais c'est un quand même. Oh, allez, d'accord. Pour un Thaïlandais, c'est dur. Hein. Très dur à subir. Il se sent forcé. Décision, forcément. Décision, voilà, hein. Y croit, là.